Bonjour à tous, on se retrouve pour ce 13e épisode d'Objectif Mars 13, comme le chiffre maudit. Préparez-vous à ce que ce soit le bordel. Oh oh, c'est là où on doit tuer Stefano, allez. N'importe quoi. Oula oula. Doucement, toi. Je crois, les amis, que Xef a quelque chose, nous a préparé quelque chose. Oh, un gâteau. Je sais pas, je le vois au loin avec quelque chose. Là-haut, là, regarde. J'ai voulu faire un truc pour mettre tout ce qui est table d'enchant et tout. Genre... Voilà, putain, c'est l'escalier du destin, quoi. Bah ouais, j'ai voulu exactement faire ça, quoi. Genre... Bon, allez, on va affronter Ganon, là, je suis chaud. Moi, je dis, qu'est-ce que c'est ce yeah, c'est moi, classe. Je dis, le plus important, c'est le totem phrygien. Oui, c'est Ganon. Putain, c'est la classe. T'es designer de tour de sorcier à tes heures perdues, toi, pas possible. Mmh, on va mettre des piliers parce que ça vole. Quelqu'un aurait des flèches? C'est ce que je comptais faire, t'inquiète. Des flèches, j'en ai deux. J'en ai une. Ah bah alors, moi j'en ai deux, stack. Oups. Ah bah j'en veux bien un, enfin 32. J'en ai deux, stack. C'est par là. STP, okay. Merci. Charmant. Vous avez vu la photo où il y a Jamie et Charmant qui sont juste à côté? Non. Non. Est-ce qu'on n'irait pas voir la salle à mobs? Puisqu'apparemment en off, non. Brioche a vérifié, ça marche bien. Oh ouais, il y avait plein de monde dedans, moi, et même qu'on a failli tout faire péter parce qu'il y avait les creeps. Bon bah, moi je veux voir en tout cas pour voir si ça fonctionne. Est-ce que vous regardez Game of Thrones aussi? Non. Ouais. Jamie et. et Charmant. Ah si, je l'ai vu, Charmant de Shrek. Bah oui, c'est génial, attends. Oui, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup. Il envoie des liens pendant les épisodes, Léo. Interdiction de regarder que Léo vienne avec nous, hein, parce que les échelles. Ouais, alors please, Léo. Oh, ça va. Ah, j'irai voir plus tard. Okay. Moi, je continue mon. Ah, bah ça marche. Aïe, mais la gars. J'ai bientôt fini la cuisine. Ça marche bien. Là, est-ce qu'elle tombe en bas Ouais, on va voir. Bah, je pense que petit à petit, il y en a qui vont tomber. Et est-ce qu'on a un générateur de tear? Ah, il y en a un qui est tombé, mais il est pas mort. De tear. Ah, merde. De jingle. What? Attends, on va voir s'il meurt. Je disais, je pense que ça manque de jingle. Tu vois, la jungle. Le tue pas dans ce jeu. Je demandais si on pouvait en planter un peu plus. Moi je peux le faire, mais il faut me dire. C'est si bon, a... c'est bon, il meurt quand même. Je pense qu'on pourrait en rajouter. Oui. Ça dépend, le zombie tout à l'heure il est pas mort lui. Si, il fallait le laisser. Non, parce qu'il s'était éteint avant. Je sais pas. Là, il y a de la terre, mais tu l'as rangé, je te signale. Bon, ça marche. Tu veux de la terre au départ? YOLO. Là, il y a un coffre qui a marqué terre dessus. Non, mais c'est bon, j'ai rangé lui. C'est vrai, ouais, je savais pas qu'il y avait un coffre qui avait écrit terre dessus. C'est un bug, je crois. Ouais, il est bugué, il est au-dessus. Je sais pas où il est. Bah il est pas hyper petit notre truc hein, parce que du coup ils amortissent leur chute dans la lave. Mais c'est pas normal qu'ils amortissent, enfin... C'est parce que c'est pas assez profond. C'est parce que c'est pas assez haut. On pourra améliorer la chute je pense à terme. On avait dit que... Bah de toute façon c'était pas l'objectif, n'était pas de faire un piège à mob mais une salle à mob. La salle à mob elle est fonctionnelle ça pour le coup. Ah oui la salle. On a même trouvé le moyen de la rendre petite donc... Je pense que plus fonctionnelle tu meurs. Ouais. Oh là là, on fait quoi aujourd'hui? On essaierait pas de choper des Undermen? Non, c'est nul. Moi j'ai les Spider-Man, quand je les chope, je leur fais des trucs. Bon, ok, alors on fait Weezer, ok. Ok. Non. Je suis pas prêt là. Trop tard, je vais popper dans la base, allez, bonne chance. Moi j'ai voté pour les Undermen. Undermen. Non, regardez, il va faire nuit en plus, ça pourrait être cool de faire les Undermen, ouais. Ok, bon, moi je disais ça juste pour t'emmerder en vrai. En fait, moi je fais pas la différence entre le jour et la nuit dans la base parce que tu fais vraiment très bien. Parce que skin objectif Mars, bonjour. Attends, je vais. Voyons combien d'œil on a déjà. De la base. Pardon, excusez-moi. Pardon. Ah mais merde, je me suis complètement planté. Dites-moi mon cher, c'est par où le champ? Ah, c'est par là. Ah bah c'est bon. Ah bah. Putain, je suis pas devant, mais je viens de comprendre ce qu'il y a de fait. Quel crétin. Ah bah oui, j'ai rigolé. Les gars, vous avez une question. Mais qu'est-ce que vous avez fait à Melaga? Pourquoi vous l'avez enfermé? D'ailleurs, Julien, est-ce qu'il l'a vu ça? De quoi? Le monument à Fugiel qui monte la direction. C'est génial. Un peu Game of Thrones. Oh ouais. Merde quoi. C'est par là. On a zéro œil les gars, donc au boulot. C'est vrai. Ouais. On en avait pas chopé avant. Bah on a pas. En tout cas dans les trucs on a pas de perles. C'était là avant. Go se faire les Undermen. Yeah. T'as pas de la glowstone en rame. C'est moi. T'as du Underman comme quand quelqu'un il fait du l'autotune. Underman. Oh yeah. Ça fait Nescafé un peu. C'est bon, j'ai ma première victime. Non, c'est le mien, je l'ai vu avant. Bon, moi je vais chasser l'Undermoon. Oh, il est mort. J'offre du café. Il est où? Il y a un autre. J'ai une perle. J'ai le café.
Le Dieu Man, il va me tuer. Dur avec vous. Faut pas vous lancer en fait. Parce que oh, après, ça, ça... Hey, hey. Yeah, yeah. Les dégâts. Les dégâts. Les creepers, ils pètent les trucs maintenant. Hein? C'est censé être une bonne nouvelle. Bah, what? Bah, ah, ah, ça va. C'est nouveau ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Avant, ils cassaient pas, rappelez-vous. Bah oui. Genre, on a déclenché un truc. On a fait Apocalypse. Ils explosent vraiment. Non. En fait, on a tellement pimpé notre base qu'il y a de l'oxygène maintenant. Et du le coup, jeu est tout il y a tellement d'arbres qu'il y a de l'oxygène. C'est et ça. Au final, les zones moutons et toutes ces choses-là, là, ça pourrait pas commencer à être rentable bientôt les. Les zones moutons. Ah, les vaches. La fameuse zone mouton. Mais. Mais où le bagno? Je le bagno. Pourquoi ils ont fait ça? J'ai pas un arbre devant moi. J'ai une perle pour le moment. Y'a pas beaucoup de blagues ici. Wow. Oh, non, j'avoue. C'est trop éclairé en fait. Mais elle est plus loin. Il y a un arbre là, il est méchant. Hein. Plus loin, c'est dangereux. Il a l'œil hagard. L'œil vif. T'es pas obligé de le tirer, c'est de l'œil luisant. La mère, qui c'est qui a amené 40 000 zombies? C'est moi. Merde, je vais rentrer dans la base, j'ai peur. Oh là là, oh les mecs. Ah, il s'est encore TP. Mais y'a pas du tout. Ah oui, de ce côté y'a plus de mots, bah oui, oui. Le respect est en prison, le respect est en prison. Mais j'ai pas de blague quoi. Eh, mais la maison de Léo a été complètement défoncée. Ouais, il reste des traces de toi, l'araignée. Un épisode et demi après, c'est bien. Bah j'étais dans le trou de brioche tout à l'heure, alors... voyons. Mais on s'y sent comment? Pas ce genre de choses. Y'a des choses qu'on peut pas savoir, voyons. On s'y sent bien. Bah écoutez, mon moi j'étais dans les pommes de brie. Mais y'a un oeil, y'a un underpearl là qui vient de pop, là, dans la base. Dis pas ce genre de choses, voyons. Y'a un pépin. C'est quoi ça? Y'a combien de... C'est quoi ça? Mais j'sais pas, d'un coup j'ai eu une invasion de... Quoi? De méchantes. Bon, l'underpearl, je l'ai mis dans le coffre précieux. Ça commence à bien faire les poules. Ça marche. Là. Moi, je suis là-bas. Des conneries. Qui c'est qui m'a taxé mes patates? Moi, peut-être. Ah, c'est peut-être moi. Moi, j'en ai pris avant le début de l'épisode. Non, mais je veux dire, parce que je viens de mourir et je suis revenu, il y a tout mon stuff sauf mes patates. J'ai une deuxième perle, donc ça nous en fait 3. Cette violence. J'en ai une sur moi. Moi, j'ai pas de zone. Allez les poser dans. Allons tous les poser dans le coffre. J'ai une slowness, cette grosse. De pu. Grosse mélaga. Ça va vite au final. Bah ouais, moi j'en ai zéro. Oh pardon, c'est pas grave. J'avais mis Tu l'as mis dans quel coffre, François le... Précieux, je l'ai mis le coffre. Mon précieux. Ça fait 2. Ça ne parlait pas comment ça. Ça fait 4. Il en faut combien déjà? 12? Ouais, enfin je sais pas, j'ai pas vu s'il y en avait sur le truc, mais dans l'idée 12, ouais. Si tu veux, je vais zioter, hein, vu que j'en trouve pas. Bah limite, tu peux faire le chemin là-bas, ouais, comme ça si t'en croises. Moi, quand je parlais dans le film Le Seigneur des Anneaux... Je viens avec toi, Dortos. Et je me mangeais pas des vents tout le temps. Oh, y'a un spider jockey, enfin un squelette machin là. Bah non, ça explose pas le. Bah, moi ça a explosé tout à l'heure près de la base. Je confirme, ça m'a explosé à la gueule aussi tout à l'heure. Ouais, mais est-ce que ça casse le sol? Oui. Bah moi non, ça l'a pas cassé. What? Ça trouve, c'est à certains endroits. Non, non, ça la casse pas là. Ou alors, vu qu'on est au spawn, c'est le spawn protect en fait depuis le début et c'est pour ça. C'est possible. Ouais, mais le spawn protect il serait énorme alors. Bah, je sais pas, mais en tout cas. En tout cas, là, près de... Tu vas voir, à l'arrière du champ, il y a un cratère. Hein. Ah! Quand on allait faire des excursions, ça faisait pas. J'ai eu la lumière des après, ténèbres, là. Ce qui est possible, c'est que les mecs qui aient fait la map aient fait des protections à la mano et qu'il en manque des zones. Des cubes. Ah, mais non. mais non, pas cette méno-là, là. Ah là là. Ouais, je m'en vais, là. Wait, comment on grimpe habituellement? Ah, mais... on était passé sur le côté, je crois. Ah, mais non. Il y a trop de monstres, c'est vraiment horrible. C'était quoi ce bruit? C'était la trace de frein. Alors, il y a déjà... En fait, il nous faut 9 œils. Oh my god. Oh, pour une fois, c'est 9 yeux. Ouais, pardon, 9 yeux. J'ai une perle. Ok, bah ça nous en fait 5. Là, il y a 2 grands blacks à gauche, d'Orthos, tu sais, et un à droite. Tu le bordel dans les coffres, ça, ils accompagnent. Ah, c'est moi. Il y en a 2 à gauche et 2 à droite. Bon, bah, prends à gauche, je prends à droite. Julien et ses 2 grands blacks. Oh, il y a une double. Hey. Ah, mais en fait, ça va aller super vite en étant autant. Ah bah avec 2 grands blacks ça va être super vite hein. Mais surtout sur une zone comme ça c'est limite pire qu'un désert là cette zone hein, cette map. C'est trop plat. Ouais. Pour faire les jungle arbres c'est quel pouce? Bah j'en ai une de jungle. Bah c'est voilà, on rit et 2 cubes de cube. Donc je n'en ai point. Si c'est dans précieux, il y en a plein. Bah c'est mamie super recette. Donc c'est pas dans le coffre.
J'ai une perle. Et au passage, effectivement, là, ça vient d'exploser chez moi et j'ai pas eu de. Mais ouais, mais, pour... mais je l'ai vu. Temps, vous verrez, je l'ai enregistré. Enfin, je l'ai vu sur le record et tout. Ou alors, c'est. Y a... Alors, après, l'hypothèse la plus probable aussi, c'est que Léo était dans le coin. Ça se trouve, c'est Léo qui a déclenché une TNT en scred en fait. Hypothèse. Ah bah oui, parce que moi, quand je marche, t'as déclenché des TNT en scred. Hein, ah bah oui. Oui. Ah, c'est bien connu. Ok, vous, j'ai un Underman qui vient de disparaître, quoi. Il, Léo, il s'est retourné, il a fait « Je m'en vais ». Aurais-tu toutes les pousses d'arbres ? Je retourne au pays. J'ai pas pris. J'ai une perle. J'ai pris la terre, mais pas les pousses. Je crois qu'on a ce qu'il nous faut. J'en ai deux encore. Je crois qu'on a ce qu'il nous faut, on peut rentrer. Cassos, on se casse. Y'a plus de pousses de jungle. Et ça, ça se retrouve, Grim, ça. Enfin, quoi que... Mais il faut couper des arbres, quoi, donc... Je m'en charge. Je crois que c'est bon, vous pouvez entrer. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Yeah. Déjà. Oh, y'a un mag. Putain, y'a un magma cube qui vient de pop dans le. Ah oui, avec les spawners qu'on avait déjà repérés dans les autres épisodes. Ouais, mais bah, pourquoi y'a pas de gaz qui pop alors? Si vous restez assez longtemps, peut-être. Pour ça. C'est téléphoné, la... c'est blague. Hein. C'est la concurrence. Un peu. Oh, bien. Allô? Ça tombe tellement. C'était la blague téléphonée, c'est ça? Putain. Quand il a fait sa blague, il est content. Ah, c'était drôle. J'ai rigolé. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, venez, que tout le monde vienne déposer ses perles. Dans... Ah, venez tous déposer vos boules dans le coffre, bordel. Allez, j'arrive. Ça rigole plus, là. Viens Léo, viens déposer tes boules. Désolé, Xav. Attends, j'ai envie de visiter là. Est-ce que tu veux que je dépose mes boules? Ici. Ça en fait... Tiens. Voilà. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Ça. Avant d'aller. Quoi, mes boules, il en manque une. Non, mais... Avant d'aller où que ce soit, il faut reposer les lits. Moi je posais les lits. Il en faut encore deux, comment ça se fait? J'en ai deux sur moi. Ah bah voilà, brioche, putain, quand tu veux. Mais je ne rentre pas parce que je sais pas, il y a une grande zone, j'ai envie de voir. Ah, un grand lit double, comme ça je peux dormir avec quelqu'un. Bon, en fait, c'est bon, on a les neuf. Il y a des monstres à proximité. Bah non. Hey oh, toujours, ça a marché quoi. C'est Mickey. C'est toi. Oui, c'est boing. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Dingo? Oh, elle est pas là. Oh non, c'est ça. Donc, on a assez de perles ou pas? Ouais, ouais, Brie, elle est de dernière. C'est bon, on en est à 9, donc c'est bon pour aller dans l'end quand on veut. On est con. Oh, Dingo! Oh, j'aime ça! C'est quoi qu'il faut avec les perles déjà? La poudre de Blaze, non? Ouais, mais j'ai tout ce qu'il faut sur moi là, justement, j'attends les deux dernières de Brie. Ah, je ramène tes couilles, dépêche-toi! Oh, j'aimerais me TP? Non. Non? Putain, bah ça va prendre un petit quart d'heure. Bah t'es où? Oh, mais plutôt, mais où est-ce que tu vas? Mais je suis loin, mais je pensais qu'il y avait un truc là. Tant pis. Mon dieu! Si jamais les graines de pastèque sont là-bas. Oh, ça y est, c'est fini là. Qui a osé? Le seul qui a un arc dans la main. Non, j'ai pas d'arc. Tu fais quoi là en fait? Ah, je suis dans l'endroit où on pose les lits. Parce que là-bas, ils me plaisent pas. Mine de rien, vous savez que notre début de base dégueulasse commence à avoir un minimum de gueule. Heureusement que je suis là. Ouais, c'est vrai, franchement, heureusement que t'es là. Pourquoi? C'est qui a commencé avec Mickaël là? C'est lui. De toute façon, tu sais que ça part en dérive trop facilement en fait. Quand on est tous les deux sur le truc, c'est la mort. Oh, j'en peux plus. Là, un jour, la TUFK, Xef, Brioche, Léo. Hashtag, on arrivera à rien. On fera Mickey pendant les assauts. Oh, oh, c'est pas long, mec. C'est qui? Oh, la salle des coffres. J'ai entendu un creeper. Oh putain. Putain, je suis tellement loin. Comment tu peux garder ton sérieux comme ça? Je suis sûr qu'il sait qu'il fait. J'ai failli crever. Ah, je suis au truc de dragon là. Ah, parfait, tu rentres bientôt. Oh! Oh mini! Oh oui! Ça, j'arrive pas à le faire bien moi. Mais Xel le fait trop bien l'enfoiré. Je te mets là, je suis trop malade au ventre. Lol. Épisode faut rire, bonsoir. Oh. Il suffit de deux putains de syllabes et c'est recommencé. Deux intonations qui font toute la différence.
Onomatopée. Ah, puis c'est ce que tu nous feras, Brie. Tu nous feras des jolis ralentis de haha. Oh, oh ah, 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 je merde. Et tu pourras faire des ralentis de ralentis. Ralenti. C'est qui me shoot, bordel avec de les merde. Mais c'est moi, c'est moi. Oh. Merde. Oh. C'est moi, c'est moi. En accéléré, ça peut le faire aussi. Ah. Oh, Brie, je t'ai de retour. Ah, oh, putain. Je suis là. On dirait un jouet qui coule. Tes perles, please. Oh. Oh. Voilà, nous avons les 9. Nous avons les 9 perles. On va voir le dragon tout de suite. Non, ah, pas tout de suite. Oh. On n'est pas prêt. On n'est pas tous stuffés. Hein. Ouais, on n'est pas tous stuffés et tout. T'es ouf. Oh, mais la gars. RIP Walt Disney. Par contre, ce qu'il faut qu'on trouve absolument, il faut, c'est... Il faut avoir le curseur sur elle. Ce qu'il faut qu'on trouve absolument, les mecs, c'est des Melon Seeds. On en a pas trouvé sur la carte. Bah, je pensais trouver un donjon parce que c'était super loin. Les... Et bah, je suis pas allé plus loin parce que vous étiez pressés. Arrête, tu vas me tuer. T'as encore beaucoup de glowstone, là ? Ah non. God... Quoi ? La pierre luisante. De la luminite. Brioche, est-ce que tu as un panneau ? Y en a dans les coffres. Oh yes. Putain, y'en a pas qu'un peu en plus. Mine de rien, en étant à 6 et encore, y'a pas tout le monde qui les a fait, on vient de se faire le. On vient de se faire en 10 minutes la recherche le des raid, yeux. Machin du. Ouais. C'est bien ça. C'est pratique. Ce qui prouve que même si on est con, qu'on dit n'importe quoi, on arrive au travail. Mais oui. Je vais faire un truc très sale, les enfants ne regardent pas. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est du mauvais. Ah, donc le portail est activé, on pourra y aller quand on veut. On a plein de flèches en plus, attendez, je vais me faire un arc, je vais l'enchanter. C'est de mauvais goût, c'est de mauvais goût. Ouais, je suis désolé. C'est dans oh, cette verrue, mais la gare. Non, oh, oui. Oh. Oh là, mais là là. Mais la gare. Mais là là, mais la gare. C'est pas possible. mais je pense à un truc. Je pense à un truc, oui. Dorthos. Oui. Tu te souviens quand t'avais trouvé l'intérieur de la pyramide, il y avait pas un coffre avec des Melon Seeds par hasard? Non. Ah, sûr, merde. Et si tu veux, tu peux aller vérifier. Non, ça peut-être va, je suis en train de passer à côté. On peut pas échanger avec les PNJ du village. Manque un lit. Quelqu'un a volé un lit. Brie, on y va, on va voir. Mais attends, mais les PNJ ils sont tous en train de crever dans un trou. Oh. Ils sont où? C'est peut-être notre seule porte de salut, vite, allons vite à la muraille. J'ai récupéré un pantalon. J'ai pas suivi à qui j'étais. J'ai plus de flèche. C'est qui a ce pantalon enchanté là? C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être à moi. Mais pas à moi. Merci. Je vais voir au village, mais je sais pas où ils sont. Je sais pas où Xef les a enfermés. Je fais un dortoir là. Non, il est dans la première maison à droite, à l'entrée. Dans un vrai mouchoir de pâche. Après, j'ai pas souvenir que des villageois peuvent te filer des Melon Seeds comme ça, mais peut-être que si. Peut-être que Sid. Merci. Mais c'est Mickey qui les a enchantés, donc ils sont gentils. Il manque un lit. Qui c'est qui a volé son lit? J'ai pas de lit. Moi non plus. Voilà. Yo, on est en train d'écrire une connerie sur les panneaux, je sens. Oui, il fait un bordel là-bas. J'ai la punchline pour la vendre. C'est quoi? Melala, Melaga. Mon dieu, monsieur. C'est où, François, t'as dit? Première maison à droite? Ouais, et il y a un trou dans la maison. C'est la punchline. Effectivement. On dirait de la magie. Oh là là, pardon. Je sais pas ce qui m'arrive, hein. Ah, il faut oser. Mais il y a des enfants qui nous regardent, c'est pas bien. Faites pas l'amour aux vieilles sorcières qui viennent vous chercher à l'école. Bien, on va chercher. Ils échangent des trucs sympas? Non. Ah. Est-ce qu'ils vendent des émeraudes? C'est quoi ce trou? C'est quoi un poisson globe? Le trou dans lequel les PNJ sont? Ils vendent des émeraudes. C'était ma sortie. C'était ma sortie. Ah bah je la condamne au cas où. Bah attends, ça fait un moment que t'es pas. Ah bah oui, ça fait un moment, même un très moment que j'ai pas vu les mages. Quelques années, j'ai même envie de dire. Tu sais à quoi ils peuvent servir les villageois? Bah à les tuer. À attirer les mobs dans la lave. Dans notre piège. Non. Oui, enfin oui, avec des rails et tout on pourrait, mais non, c'est horrible. C'est trop galère. Par contre, on en parle que dans leur village ils ont des pistons. Bah oui, non, on l'a taxé. T'as cru que c'était des villageois et que du coup ils savaient pas utiliser les pistons? Non mais... Ça sur ma tête. Bah ouais.
Bah si, ils sont malins quand même. Ils ont un gros cerveau. Ça sent quand même avec leur communication super élaborée qu'ils ont un gros cerveau. Oh. Il y en a pas d'autres, évidemment. Mais qui c'est qui parle, qui dit bien, enfin je veux dire, c'est quand on passe dans la cité. C'est les gardes, ouais. C'est garde Eldred. Mais venez, on va le buter parce qu'il me saoule. Il est où le garde Eldred? Il est là, il est sur... on parle trop. Ah non, il est plus là. Qui a mis toute cette cobble dans le coffre à sable? Ah, oh, c'est peut-être moi. C'est un crime, ça. Ah non, mais oui. Brioche, ça, où est le garde Eldred, fais voir. C'est bon, bah, je croyais qu'il était là et en fait. Ranger sa cobble dans le coffre à sable. Elle est où votre programme? J'ai honte. Oulala. On n'avait pas honte. Je croyais qu'il était là, mais non. Monsieur Zangdar, on n'avait pas honte. Mais il est où alors? C'était pas un délire. Ah non, mais j'ai. Il y a du bois qui traîne. Merde, j'ai plus d'épée. Aïe. Tu fais là du bois. Ah mais non, mais je. Non, justement, putain. J'allais le dire, j'allais faire. C'est génial, ça fait au moins 4-5 fois de qu'on dit du bois sans faire la blague. Et mec, voilà, mec, non, mais mec, c'est mort en fait. Parce que ce que tu sais pas, c'est que l'épisode 11, qui n'est pas encore sorti au moment où on tourne, en fait, il s'appelle du bois chez moi. De toute façon, parce qu'on rigole du bois. Allez, ça c'est fait. Donc en fait, ça fait déjà au moins 4 épisodes que. J'avais tous cassé mon délire. Bon bah c'est bon, vous savez quoi, je vais aller encore m'enterrer dans un coin. Il y a une bibliothèque là. Eh, elle était là. Ouais, la bibliothèque. Oh. Ah non, ça recommence pas. Hein. fou de fafa, okay. Aïe. Bon bah, je sais pas où est le. Bon bah, apparemment pas. Non, faudra qu'on trouve la zone. Putain, c'est horrible. Où ils échangent les melon seeds. Je cherche deux niveaux à prendre. Ça se trouve, y'en a pas. Si, sinon ils les auraient pas mis en objectif. On est à 30 minutes, les gens. Pardon? Ah non, attends, peut-être que j'ai. Non, chez moi on est à 21. Oui, Grim. Le temps passe vite. Eh oui. Peut-être derrière le château, il y a des autres structures. Ah ouais, viens, on va voir. Depuis des épisodes avec Brioche, on est en mode explorateur. Oh là là. On est bien 6, il y a que 5 lits. Qui a piqué son lit? Mais tu vois, à l'opposé d'ici, parce que c'est un grand cercle, je crois, le truc. Ouais. Et bah, il y avait un grand lac de lave et j'ai essayé d'aller de l'autre côté. Et... Si tu veux, on ira en expédition entre les 4. La nuit, elle va bientôt tomber. J'aimerais bien jouer 2 niveaux. Protégez votre tête. J'entends des mobs. Sans découvert. Merci, Xef. T'es parti loin, Brioche. Vous vous rendez compte que pour moi merci Brie, c'est devenu une expression hein, tellement c'est habituel. Merci Brie. Merci qui? Merci Brie. Ah, c'est vrai que. Ah, mais en fait, la Terre est plate ici. Enfin, la Mars est plate plutôt. Ouais, c'est vrai que c'est. C'est un détail. Attends, mais ouais. Hey, regarde, Brioche. Je me casse, je rentre sur Terre. et là, t'imagines, tu vois du diam sur les parois. Chier. Ah ouais, d'accord. C'est découpé très à la YOLO. Oh, y'a du fer. Bon, après je vais si arrêter. Si j'enlevais la source d'eau. Vas-y. Tu peux. Vas-y, enlève-la. Ouais, vas-y, enlève-la. Non, mais j'ai même pas de quoi l'enlever. Je sais pas l'enlever. Mais vas-y, je t'en prie, enlève-la. Bon, je mets un bloc. Oh non, mais non. Est-ce que tu es fier de toi, Léo? Oui. Alors, j'ai pas lu. Laissez-moi la lire. Elle se devine en une seconde. Tiens, attends, vas-y, va sur la source d'eau maintenant. Non. Non, il a fait une petite chanson là. Non, monsieur et madame, Upi l'ami ont une planète. Laquelle? Mars. Uranus. Uranus, Upi l'ami. Oh merde. Oh là là. Bon. Mars. J'en ai d'autres hein, dans mon. Oh, ça y est, j'ai trouvé un truc bien. Bounty. Bounty, voilà. Pilami. Bounty, Pilami. Melala. Je suis sidéré. J'en peux plus. Je suis de médiocrité. Et c'est vrai que des fois, ça m'arrive de regarder les bonus de Brie et je me dis, mais mon dieu, mais la série va passer en plus 18. C'est pas possible, mais vous. Mais ça. Alors, celle-là, elle est un peu chiante, mais si vous la trouvez, vous êtes fort. Zgégé, gros mieux, c'est. Zgégé, gros mieux ou Zgégé? Zgeg. Alors, Zgeg. Monsieur et madame. Bah, faire. Ce qui est gros mieux, c'est. Oh, une planète. Brioche, j'ai trouvé un truc. J'arrive. Prononcez comme ça. Wouh! Oh, le teasing pour le prochain épisode. Skeg. T'approches pas trop. C'est par là-bas. Et la planète était. Uranus. Ah. Pluton. Tu vois ce teasing? Je vois un tout petit. Ah oui. Ah oui, d'accord. C'est moche. C'est quoi ce truc? Mais j'ai fait un dortoir. Non, en fait, alléluia. Brie, on leur dit pas où c'est et la prochaine fois on va là. Une yourte? Non, plus courte et plus fine, genre une blague hein. Plus courte et plus fine. La blague, je parle. Faudrait que ce soit un sacré gros morceau sinon.
C'est vrai. Au fait, Dorthos. Oh bah voilà, j'ai un tag. Tu l'as eu où le name tag? Je l'ai pêché. Ah oui, d'accord. Putain, mais en fait, je viens de faire une Dorthos avec Zef là. Le pauvre brioche, il était parti méga loin pour trouver un truc. Je me barre deux secondes et je trouve une structure. Ah rond. Oui, bon, c'est vrai. En tout cas, on a une Est-ce on a que une vous structure. L'a trouvé celle-là? Je regarde même pas en fait. Ouais, moi non plus. J'ai pas compris. Ça tourne pas rond. Oh putain. Mon dieu. Oh là là. T'as un sommet, je crois, là. C'est ah, et ouais, et t'en tout sort de la tête. Bon, j'avoue, c'est facile à faire, mais. Bon, écoutez, j'essaie de dynamiser le coup. Mais Léo, avec ses panneaux, mais putain, mais Léo. Quoi Léo, quoi. T'en peux plus. Qu'est-ce qu'il a fait, moi Mais les gars. Eh, je vous confirme que les gars, c'est hip-hop, hein. De quoi Je vous confirme que les gars, hip-hop, je viens d'avoir une larme de gaz en tuant un. Ah oui, hip-hop. Non, mais à un moment, vous aviez dit, au dernier épisode, vous aviez dit, ah, comment ils ça sont se fait peu lents. Ils sont un peu lents à pop et tous les spawners. On devait pas rester assez longtemps à côté. Bon, la structure est pas méga long. On a trouvé un beau truc à explorer pour la prochaine fois. Oui. Ah, nickel. Oh. Cette fois, je viendrai. Oui. Je vais avoir l'Underdragon tout seul alors. Imagine ce que j'ai. C'est joli, Grim, ce que t'as fait. C'est le vieux Mickey, ça. Est-ce que tu peux nous le faire? Non, j'ai pas fini, je vais décorer là. Est-ce qu'elle peut me taper? Putain, la biatch, elle peut me taper de l'autre côté, mais la gars, elle m'a empoisonné. Xef, t'es là? Je suis quelque part. Est-ce que tu peux faire ce que j'ai écrit dans le chat, tu penses? Elle se prend des dégâts, la conne. Non, mais oui, elle s'est empoisonnée. Non, mais t'inquiète, elle mourra pas dans tous les cas. C'est parce qu'en fait. Depuis l'autre côté, vu qu'il n'y a pas du verre, elle a pu me voir, elle m'a envoyé du poison, mais du coup, vu que ça a rebondi sur le mur, bah elle se l'est pris aussi, quoi. Ouais. Le poison, ça ne tue pas, donc... Oui, mais puis de toute façon, elle a des potions de heal quand elle tombe trop bas. 5 euros la passe, ouais. Quand elle fait... Non, j'avoue, non, je vais enlever ça, non, mais franchement, j'assume même pas cette blague sur mes gars, c'est pas drôle. Ça n'a rien d'intéressant, c'est pas drôle, c'est... Oh, c'est dégradant. Voilà, c'est dégradant, la pauvre, déjà qu'elle est sortie. Mais c'est pas facile tous les jours. Une grosse verrue. Avec ses grosses verrues. Ah, la jolie petite maisonnée. Oh merde. Alors, tu peux pas nous la refaire et d'un. Allez. C'est pas fini à mon œuvre. Oh, attends, ouais, je viens quand même voir. C'est beau ici. C'est quand même sympathique. C'est bon. Ouais, il manquait un lit, il y a quelqu'un qui a volé un lit, mais on sait pas qui c'est qui l'a. Il a volé. Moi je dirais que c'est. Moi, au pif comme ça, je dirais que c'est Zangdar. Ah, stop là, ça suffit. J'ai deux cœurs. Bon, on arrête de tourner en rond là, héros. Oui, on s'arrête. Bonne idée. Moi j'ai 21 niveaux, ma gueule. Les amis, la prochaine fois, vous savez où on ira, à l'endroit caché que vous avez pu voir en teasing. Yeah. Et puis moi je vais faire du tir au pigeon pour terminer l'épisode. Putain. Tu couvrais le Rose Grim. Ah bien. Ouais, j'ai pas été très inspiré sur le nom de. A bientôt les gens. Ciao. Au revoir. Ah, c'est fini. Ça arrive d'un coup là comme ça, genre. Léo, l'épisode est fini. Léo. Quand tu fais tes blagues, pense à ce totem là que tu as. Tu fais la sortie. C'est par là. Je m'en vais. Salut. Allez, à plus.